Je suis Capucine Habib, je suis la vice-présidente de l'association du Prix des Incorruptibles, qui est un prix littéraire décerné par les jeunes lecteurs de la maternelle au lycée et qui existe depuis 30 ans. En fait, les 30 ans de l'association en 2018-2019. Le principe, c'est d'amener un maximum de jeunes à la lecture grâce aux enseignants, aux bibliothécaires et aux libraires qui travaillent avec nous. Et l'année dernière, on a fait lire et voter près de 465 000 enfants en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et dans des lycées français à l'étranger. Alors comment ça fonctionne? On a une adhésion de l'établissement scolaire ou de la bibliothèque à l'association et ils choisissent un niveau de lecture, celui qu'ils souhaitent en fonction du niveau de des enfants qui sont concernés. Et les enfants ont entre 5 et 8 livres à lire pendant l'année. À la fin, chacun va voter pour son livre préféré. Et en parallèle de tout ça, on propose un accompagnement pédagogique et ludique autour de chacun des livres de la sélection. Alors le principe de la sélection, c'est une présélection par les éditeurs. Au départ, on a 80 éditeurs partenaires. On reçoit à l'association environ 500 livres. Nous, on fait un premier travail de présélection en interne avec des coordinateurs de comités motivés. De ces 500 livres, on arrive à peu près 160 titres répartis sur chacun des niveaux. Et ces 160 titres sont envoyés à des comités de sélection composés de professionnels, enseignants, bibliothécaires, libraires, membres du réseau Canopé. Ils ont 4 mois pour lire entre 25 et 30 titres et établir leur propre classement. Ces comités sont répartis de la même manière un peu partout et on a à peu près 1200 membres de comités de sélection. Alors les critères de sélection sont relativement simples, on est sur des dates de parution. Par exemple, là on est en train de travailler pour la rentrée 2019 sur des titres parus entre septembre 2017 et août 2018, pour la rentrée 2019. On travaille que sur de la fiction. On a fait un parti pris à un moment donné de ne pas proposer ni de BD, ni de théâtre, ni de poésie. Et malgré ça, on est déjà à 500 titres proposés. Donc voilà, il faut quand même faire des choix. Pas de réédition non plus, pas de titres classiques réadaptés et des auteurs français ou étrangers. Alors nous, on n'essaye pas de prépenser nos outils d'aide, on est vraiment... Le mot d'ordre qu'on donne au comité de sélection, c'est amener des enfants à la lecture par tous les moyens possibles et inimaginables et les amener vers des livres vers lesquels ils ne seraient pas forcément allés tout seuls. Voilà, c'est vraiment important pour nous. On est quand même dans le cadre de la lecture plaisir et pas de la lecture pédagogique. L'association a l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, mais on est en dehors de l'Éducation nationale pour cette sélection-là. En revanche, on a quand même beaucoup d'enseignants dans nos comités et c'est vrai qu'ils peuvent donner un avis qui est plus pédagogique. Mais on essaie de sortir du « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce livre dans ma classe ?» Alors, c'est une question très difficile et un peu comme ça prise au dépourvu. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à une auteure qu'on a beaucoup aimée, qui a écrit un feuilleton des Incos avec nous qui s'appelle Manon Fargeton et qui a fait une série Les Plieurs de Temps chez Rajo. Et parce que son petit héros, le premier, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Enfin, voilà. Donc ça serait assez intéressant. J'aimerais bien parfois pouvoir arrêter le temps.